Et oui, les premiers crédits FIFA 22 arrivent très très vite sur IGVote, alors n'hésite pas à aller check la description et tu as bien sûr la réduction qui va bien avec le code promo AXOSKILL. T'en as marre de te faire laver par des boîtes 3 en fut champion? Il est nul! Il est nul! Alors check Level Up, la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va très très bien et aujourd'hui les gars, on va ouvrir des packs parce qu'il y a les nouvelles cartes Road to the Knockout. Du coup, on est parti, j'ai gardé les récompenses Rivals. On aura normalement deux packs à 50k et d'autres packs. Ensuite, rang 1 en playoff. On va regarder également les cartes, voilà, il y en a plein, il y en a des très sympathiques. Il y en a une aussi qui a rejoint ma team, vous allez voir de qui il s'agit, c'est parti. Du coup, voici les cartes. En route pour l'élimination directe. On va éviter l'anglais parce que ça fait mal aux oreilles. Son. Son qui a eu déjà deux cartes spéciales. Une carte boost et la carte évolutive que vous voyez sous vos yeux. Du coup, Marquinhos, Sané, Isaac, Vidal, Traoré. Ok, un petit défenseur droit de Ligue 1 qui peut éviter d'acheter Hakimi. Hein. Il n'est pas très cher, il est à 40-50 000, un truc comme ça. On retrouve du Tonali, du Moukielé, du Rodrigo, Diop et Gravenberch. Les cartes évolueront si les joueurs, en gros, leur équipe accède à la phase à élimination directe de la compétition actuelle. La nouveauté, c'est celle-ci. Si leur club remporte 3 victoires sur les 4 derniers matchs de la phase de groupe, ça évolue. Donc voilà, là, c'est la nouveauté, ce qui rend ces cartes un petit peu plus intéressantes. À noter qu'on a du coup toutes les compétitions européennes liées à la licence, d'où les 3 designs différents. Du coup, on a André aussi à récupérer en objectif. Bon, forcément, c'est pas forcément un club qui potentiellement peut passer, d'où d'ailleurs la carte en objectif, hein, c'est un peu le piège, mais je vous conseille quand même d'aller le chercher, on sait jamais. Et surtout, bah, c'est une carte gratuite, les gars. Voilà, on sait jamais s'il évolue, c'est un petit peu comme Koundé. Bon, malheureusement, Koundé, il avait pris juste un seul up de mémoire et après ça avait plus du tout évolué. Du coup la voici, bon le seul changement c'est Marquinhos, voilà. La carte évolutive du joueur qui est juste incroyable, voilà c'est pour ça, hein, il est là. Il rentre dans la team PSG, à noter que Wijnaldum a son image dynamique, ça fait plaisir. Franchement l'équipe, j'aime beaucoup pour l'instant. Les playoffs ça a été vraiment tranquille, ça s'est très très bien passé. On a une vraie attaque avec Zlatan que j'adore. La défense, bon, c'est inégal. On a une belle défense centrale, les latéraux, bon, c'est un peu moins bien, même si pour l'instant, ça va. On va prendre ce choix, les gars. Full pack. Un pack joueur prime vendable et deux packs à 50k non vendables. Ok, on a 9 packs pour commencer. On a des bons packs, mine de rien. On a des packs à 50 000, packs à 45 000, packs méga. Bon, il en faut une, hein, je crois, les gars. Bon, allez, on est parti. Pack joueur Electrum rare. Bon, allez, faudrait voir l'animation un peu, la merde. Bon, on a une petite. Suédois, eh le Z les gars. Même s'il vaut rien, on est quand même content. Hein. J'ai envie de le remplacer par celui que j'ai acheté. Oh, on a un boosté, on a Grealish, le pack est pas mal. Ok, 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 ça servira à Godoy et Grealish, plus le Zlatan. Pour avoir une animation sur les 4 packs au moins. J'en demande pas beaucoup, allez une carte spéciale, ça serait beau. On commence par le pack méga les gars. Oh, let's go, qui c'est? Français, le petit Diop les gars, let's go, carte spéciale. Attention, c'est pas unanime, il est pas venu le joueur. Mais peut-être que derrière, il y a l'anime. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, ça fait plaisir. Il a une très très belle carte, le Diop. Hein. Derrière, ça cache rien de spécial. Il est vendable, on verra ce qu'on en fait. Je vais quand même le garder, moi. Faut voir hein, ce que West Ham va faire. Du coup, en vrai, les gars, on est pas mal. Parce que regardez West Ham, premier, 2 victoires consécutives. Voilà, c'est le perfect pour le club. Avec une différence de but de 4. Du coup, faut voir comment West Ham se débrouille. Mais je pense que ça peut être intéressant de le garder. Du coup, moi, je vais le garder. Allez, on continue. Pack joueur prime. Allez, est-ce qu'on va faire le perfect? Chaque pack, un truc. Ok. Qui c'est? Oh, les gars, le Bruno! Incroyable! Putain, c'est bon, ça, les gars! Et là, l'animation, elle est là, les gars. On est bien d'accord. Oh, j'ai cru que ça allait être Ruben Dias. Hein. Franchement, c'est pour ça. Hein. J'ai absolument pas bronché. Eh ben, ça fait plaisir, les gars. Le Bruno qui tombe dans un pack genre prime. Derrière, ça cache pas, mais on a quand même des notes. À noter que c'est vendable, donc ça, c'est bien. Allez, le numéro 1, c'est parti. On a un 82 gène garanti, je crois.
Ok, ah, ça sera une petite. Ça sera La Porte. Mais ça reste unanime, du coup, la prédit qui passe encore. Avec La Porte. Ok, pas dégueu. On a vu que c'était une petite anime parce que les flammes sont pas arrivées en même temps. C'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Ok, on n'a rien derrière, mais c'est un bon pack. C'est quand même un bon pack. Bon allez, du coup, dernier pack à 50k. Bah malheureusement, c'est des petites flammes. Ça va être Zapata, éclaté les gars, éclaté au sol. Allez, pour finir les gars, on a les packs de la boutique, on va voir. On a du coup 10 packs à 25 000, c'est des packs joueurs Premium Or. Et on a 8 packs joueurs Prime. C'est quand même de gros packs. Ok. Ouais, bon, c'est Gérard Moreno. Bon, bah, direct, l'anime, elle tombe, les gars. On a le petit Kamavinga derrière, c'est pas dégueu. Allez, on continue. Du coup, est-ce qu'on va en avoir une autre? Bon, on fera pas de prédit, on en fera une pour les 45 000. Allez, le deuxième. Ok, les petites flammes, cette fois-ci. Ça va être qui? Acerbi. Bon, Acerbi, c'est très souvent, hein, je vous le dis. Oh, petite anime. Ah, c'est qui, Thiago? J'ai cru qu'on allait avoir Parero. Encore une anime. Cette fois-ci, c'est Thiago. Bah, il vaut rien, je pense. Hein. On va garder. Hein. On garde au chaud. Ou alors, on fera un SBC. Je sais pas. J'hésite encore entre Umtiti, Koulibaly et peut-être De Ligt. Ok. C'est bien, Vinicius. Ça coûte encore ou pas? Putain, c'est un des rares joueurs à noter 80 moins qui vaut des crédits. On prend, évidemment. Allez, plus que deux packs joueurs Premium Or. Et puis, on a fini avec cela. Après, on ira ouvrir les joueurs hors Prime. Et on a la grosse anime. Polonais. Oh là là, Lewandowski, les gars! Let's go! Notre plus grosse note paquet cette année. 92, on n'a pas paquet mieux noté. En même temps, c'est difficile hein, de paquet mieux noté. Hein. Deux joueurs du Bayern, Souleux et Lewandowski. Du coup, ouais, je vous montre Lewandowski. Même pas, hein, regardez, c'est 40 000. Hein. Très bon attaquant, je vous conseille de le tester. Allez, bah, on enchaîne avec les packs joueurs hors prime. Du coup, c'est des packs à 45 000 à noter. Je crois que c'est la première fois qu'il y a d'aussi gros packs dans la boutique. Bon, bah déjà, ça commence très très mal. On n'a rien du tout dans le premier. On va avoir un petit... Un tout petit Palinia. Hein. Allez, le deuxième. On a une petite anime. Camerounais, d'essai. Putain, ça va être Matip seulement. On va voir Grealish. Je sais pas ce que ça vaut. On l'a déjà eu en début de live. C'est notre meilleure carte sur les 4 packs à 45 000. Donc, c'est vraiment pas terrible pour l'instant. Dernier, ou plutôt avant-dernier pack. 45 000. Bah, on a une petite anime. Mais ça va être éclaté. DG espagnol, Gaïa. Il en restera un après celui-là. C'est décevant. Les packs à 45 000, je m'attendais à bien mieux quand même. Et du coup, le dernier. Allez, pas de perte de temps. Oh! Oui! Le Isaac qui tombe dans le dernier! Putain de merde! 150 000 crédits, les gars! Ah, ça fait plaisir dans le dernier, quoi! Ouf! Et c'est l'animation spéciale, les gars! La prédiction qui passe sur le fil! Mais on pouvait pas faire mieux en termes de suspense! Hein. Il aura fallu attendre le dernier pack, le 8e pack exactement, pour avoir... l'animation spéciale. GG à vous, les gars, qui ont dit oui. Et GG à moi pour ce Isaac. Oh, le petit Ruben Dias derrière. Certes, qui vaut pas grand-chose, mais le pack est très beau. Et franchement, ça fait plaisir. Surtout que c'est vraiment à la fin que ça tombe. Parce que vraiment, les 45 000 étaient zéro. Du coup, vas-y, on va prolonger un petit peu le plaisir. Je vous propose qu'on fasse 10 améliorations avec ce qu'on a en stock en termes de joueurs. Le dernier, les gars. Oui! Oh, Sterling, les gars! Oui! Dans le dernier, encore une fois! Putain, mais on a de la chance, hein, à chaque fois dans le dernier! Oh, let's go! Oh, c'est une très belle carte, Sterling, en plus. Ça fait vraiment plaisir, c'est lourd. Bah, écoutez, c'est propre. Le petit Sterling qui tombe. Ça fait plaisir. Allez. Mais on est où, les gars? Mais je suis mort. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, ça, les gars? En plus, Goretzka, ça coûte une blinde. Je crois que c'est encore plus cher que Sterling. Sterling, ça vaut combien? 40 000. Goretzka, ça vaut... Mais non, les gars, ça vaut 100 000. C'est un délire, les gars. Bon, bah, les gars, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et bah, clairement, fallait rester jusqu'à la fin pour chaque pack. Hein. À chaque fois... Dernier pack sur le gong, on a eu un truc, on a eu le Isaac sur les derniers packs, joueur hors prime. Les améliorations qui n'étaient pas prévues sur les 12-13, il a fallu attendre le dernier pour avoir cette amélioration juste exceptionnelle. J'ai rarement vu des améliorations aussi belles, en le sens où tu as deux joueurs. Et là, c'est clairement deux joueurs très jouables. Goretzka, il a une carte juste folle. J'avais même pas vu qu'il était Gullit Gang, du coup, on se testera ça très très bientôt. Bah écoutez les gars, je vais vous laisser en vous souhaitant du coup une bonne fin de journée, bonne soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao les gars.